Hello, c'est Marie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté comme vêtements pour l'hiver. Ça fait quelques mois en fait que je recherche certaines pièces précisément. J'achète pas énormément d'habits, mais c'est vrai que quand je le fais, en général, c'est des articles que je recherche, des articles précis. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ce que j'ai acheté et de vous les montrer aussi portées. Donc, le premier article que j'ai acheté, c'est ce pull de chez CEA. Donc, CEA, c'est un magasin dans lequel je vais très rarement, voire jamais. Et en fait, je cherchais un pull d'hiver de type un peu montagne, qu'on voit pas mal en fait dans les photos Instagram par exemple. Et j'avais envie d'avoir un pull avec des motifs en fait d'hiver qui fassent un peu montagne et ski. On dirait qu'en fait, c'est impossible à trouver, mais j'ai quand même réussi à trouver celui-là. Donc de chez CEA, et vous voyez il a comme un col un peu montant, donc c'est pas un col roulé, mais il va quand même vous monter et vous tenir chaud. Et il a tous ces petits motifs en fait d'hiver, donc on dirait un peu des montagnes, un peu des flocons. Après c'est des manches normales et il taille aussi normal, donc il est quand même assez long, il peut recouvrir une partie des fesses, et puis il n'est pas du tout crop top devant ou quoi que ce soit. Donc si vous aimez les pulls un peu plus traditionnels, ça peut être pas mal. Et bien entendu, il tient hyper chaud. Le pull que j'ai sur moi là, c'est un pull Pimkie qui est assez léger, mais celui-là par contre, c'est un pull qui tient hyper chaud. Donc si vous allez à la montagne, que ce soit en randonnée ou juste vous promener pour la journée ou ce genre de choses, hein, pas forcément skier, ça peut être vraiment le bon plan. Et en plus, je l'ai pas payé très très cher. Je crois que j'ai dû le payer environ une dizaine d'euros, entre 10 et 15 euros je crois. Donc voilà, c'est quand même assez raisonnable pour un pull comme ça. Et je l'ai déjà lavé. Et il fait pas de moumoute ou quoi que ce soit. Donc voilà. Les deux prochains articles que j'ai à vous montrer viennent de chez Primark. Et vous allez voir que je suis un petit peu obsédée par les robes pulls, les sweater dress, dresses d'ailleurs. J'adore ça en fait, je trouve ça trop trop beau avec une paire de bottes un peu montante, mais en France ça a pas l'air d'être trop la mode en fait. J'ai vu ce type d'article en fait sur plein de photos Instagram, sur plein de blogs, mais en France j'ai eu vraiment du mal à en trouver. Il y a que maintenant qu'on en trouve un peu plus dans les magasins, mais on est quand même au mois de janvier et moi j'en cherche déjà depuis le mois de novembre. Et donc le seul magasin où j'en ai trouvé à l'époque, c'est chez Primark. Alors malheureusement on peut pas commander apparemment sur le site internet de Primark, mais si vous allez, alors je crois que c'est chez Camaïeu que j'en ai vu. Elles sont différentes, ou chez ProMode, un des deux. Elles sont assez différentes, mais ils en ont aussi si jamais vous aimez bien. Donc j'ai pris déjà celle-ci, donc qui est une robe pull à col roulé. Le col est hyper gros, donc en fait moi j'aime bien. Ça fait vraiment, vous savez, comme sur les photos où on se met près de la cheminée et tout ça. C'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Et je voulais avec des torsades, donc ça tombait bien parce que celle-là, elle en a. Donc il y a des torsades tout sur le devant et derrière c'est simplement des rayures. Et celle-ci elle est quand même assez longue, elle m'arrive presque au genou, un tout petit peu, enfin un peu au-dessus du genou en fait, c'est un peu la longueur parfaite. Donc vous pouvez mettre soit des petites bottines plates ou à talons, soit des bottes qui montent un peu plus haut. Et c'est pareil en fait, ça tient hyper chaud, vous pouvez aussi mettre une paire de collants. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Et du coup chez Primark j'en ai pris une deuxième, donc c'est un peu le même style au niveau de la taille et de la forme. Il y a aussi en fait un col roulé ici. Et elle est juste un petit peu plus courte, donc celle-là je la mets toujours avec des bottes montantes ou avec des collants, voilà, sinon ça fait un peu court. Et elle est en chenille, donc celle-ci elle tient vraiment très très chaud, je mets rien en dessous en fait, je peux même pas mettre un petit top en dessous parce que sinon en fait j'ai vraiment trop trop chaud. Je trouve ça vraiment trop joli le style. Ça fait pareil en fait, ça fait mode, mais en même temps c'est confortable et voilà, le matin quand on n'a pas envie de sortir de son lit, c'est un peu le truc parfait à mettre qui nous donne envie. Ensuite, ma deuxième obsession de l'hiver, c'était un pull crop top, col roulé, avec un gros col roulé, pas un col roulé fin. Et avec des torsades. Et je peux vous dire que c'était hyper compliqué à trouver. J'ai fait à peu près tous les magasins qui existent et je n'en trouvais pas. Je me suis dit c'est pas possible. Comment font ces blogueuses qui ont ce genre de pull? C'est vraiment un style que j'aime bien et du coup ça m'a un peu saoulée. Sauf que j'ai fini par en trouver dans un magasin où je vais aussi pratiquement jamais parce que j'y vais un peu plus récemment, mais c'est vrai qu'à un moment leur style avait beaucoup changé. C'est Jennifer. Et je trouve que là maintenant ils redeviennent un peu plus à la mode. Mais bon, j'ai quand même 25 ans, donc il y a des choses que je ne mets plus, que je mettais au lycée, mais que je ne mets plus, c'est plus mon style. Par contre, j'ai trouvé, enfin mon copain a trouvé en fait, ce pull, qui est donc à col roulé, c'est pareil, c'est un gros col roulé, donc ça j'aime vraiment bien, avec des torsades.
et je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et les manches sont un petit peu papillons comme ça, sans que ce soit embêtant. Vous pouvez écrire et faire voilà, la vaisselle et tout ça, ça va pas vous gêner. Mais je trouve ça sympa et il est crop top, donc je peux facilement le rentrer dans mon jean sur le devant pour donner un petit style. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai tellement aimé que je l'ai pris aussi dans cette couleur bordeaux. Donc c'est exactement le même, pareil avec le col roulé, mais dans une autre couleur pour donner un peu de gaieté, parce qu'en fait j'avais beaucoup de gris et de noir dans ma garde-robe. Et voilà, il fait déjà hyper gris là où j'habite, donc j'aime bien avoir un petit peu de couleur. Et pour finir, le dernier article que j'ai à vous montrer, c'est ce pull blanc de chez Bershka. Donc celui-ci, il n'y a pas de col roulé, mais il y a quand même un petit col montant, ça, c'est assez fermé quand même. Et je voulais en fait un pull blanc à la base, ceux de Jennifer, je les voulais en blanc mais ils n'en avaient pas. Et donc j'ai trouvé celui-ci chez Bershka. Donc chez Bershka c'est toujours un petit peu plus cher, mais je crois que celui-là j'ai dû le payer 19€, donc c'est quand même raisonnable pour un pull. Et puis il est vraiment joli, il est très très doux. Moi je vais avoir des pulls qui grattent, donc tout ce que j'ai acheté là ça ne gratte pas, si jamais ça vous intéresse. Et je pense que ce pull là, comme ceux de chez Jennifer, vous pouvez sûrement encore les trouver en boutique. Et voilà, donc c'est un pull tout simple, mais pareil il est un petit peu court sur le devant, enfin, sur le devant et sur l'arrière. Du coup vous pouvez facilement le rentrer dans le jean, et ça moi j'aime bien. Donc voilà. Et donc voilà pour mes achats les plus récents de l'hiver. J'espère que ça vous a plu, que je vous montre un petit peu où j'ai trouvé mes pulls, etc. et ce que j'aime. J'espère que si jamais vous avez bien aimé ces articles, vous pourrez les retrouver facilement. Je vais vous mettre en boîte de description les liens des pulls que j'arrive à retrouver sur les sites internet, mais je vous garantis rien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas et de me laisser un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si jamais il y a des vidéos que vous aimeriez que je traite, des sujets dont vous aimeriez que je parle. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications si ça vous intéresse. Ça vous permet de voir en fait toutes mes vidéos, sinon vous risquez d'en manquer en fait à cause de YouTube et de l'algorithme qui change toutes les 5 minutes. Et du coup c'est assez embêtant, je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui en fait ne reçoivent plus du tout mes vidéos alors qu'ils sont abonnés et qu'à la base ça les intéressait. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, c'est gratuit, donc au pire si vous n'avez pas le temps de regarder, vous n'avez pas envie, ben voilà, vous vous y perdez rien. Et puis n'oubliez pas de me rejoindre aussi sur Instagram, je fais pas mal de concours et au-delà des concours, voilà, si vous aimez bien ce que je fais, ben c'est toujours l'occasion de se connecter, vous pouvez m'envoyer des messages, des commentaires, je réponds. Donc voilà, il n'y a pas de souci, si jamais vous avez des questions, c'est aussi un moyen de me contacter. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!